Jour de rattrapage au lycée Valin, en tout cas, pas pour tout le monde. Il y a un peu plus d'une semaine, enseignants et lycéens manifestaient contre le contrôle continu de l'épreuve du bac. 130 élèves n'avaient pas eu accès à l'examen. Pas de 3C dans notre lycée ! Aujourd'hui, 14 d'entre eux ont écopé d'un 0 sur 20. Pas de rattrapage possible comme les autres, car identifié comme bloqueur le 20 janvier dernier. Je me suis mis devant des portes pour faire comme une chaîne humaine, comme avaient fait les professeurs. Mais en aucun cas, si un élève avait réellement envie de passer, je l'empêchais au point qu'il puisse se blesser en escaladant. Nous sommes arrivés, le lycée était bloqué, et à aucun moment nous avons empêché des gens de rentrer dans l'enceinte du lycée. C'est sur la foi d'une enquête interne de l'établissement que ces 14 noms sont sortis du chapeau, inadmissible pour les professeurs du lycée Valin. Ils sont choqués par le message qu'on leur envoie aussi. Le message qu'on leur envoie, c'est si vous réfléchissez, si vous protestez, bah, c'est zéro. Sur le fond, ils trouvent injuste de ce tri qui a été fait entre guillemets, les bons bloqueurs, les mauvais bloqueurs. Élèves et parents concernés ont reçu ce courrier. Ils ont été identifiés physiquement, sur leur compte Instagram, aussi via l'arrobase Blocus Valin. L'établissement s'appuie sur la loi du 16 juillet 2018. Il n'y a pas d'injustice à l'égard des 14, il y a simplement le fait que quand on est convoqué à une épreuve, quelle qu'elle soit, il faut se plier à ses obligations ou en assumer l'intégralité des conséquences. Louis fait partie des concernés. Avec son frère jumeau, ils étaient devant la grille. Sauf qu'aujourd'hui, lui seul est sanctionné. On a beau demander, il n'a pas réussi à nous donner de justificatif comme quoi lui a pu passer au rattrapage et pas l'autre. C'est ça qu'on ne comprend pas et qui rend la chose plus incompréhensible. Le lycée Valin est le seul dans ce cas. À Vielleux et Saint-Exupéry, pas de sanctions suite aux manifestations. Tous les élèves ont été convoqués pour repasser l'épreuve.